Trust completely. You can lead me where you lead, I'll go. Completely, you can.
trust completely. You can lead me where you lead, I'll go. To celebrate your name, to celebrate the living God that you are, because there is no one beyond you. In this day, my soul want to bless you, my soul give you the glory, and my soul and my people of God will gather to really celebrate the Lord, to really celebrate Alpha and Omega, Yeshua Yamashiach. He is the one who doesn't have no value, and no one is the same. He's the only God. He is the Almighty God. We elevate your name. Oh, we elevate your name in spirit and truth. So we are not here to
to look at our brother, but we're here to worship you. We are here for God. We are here for the mighty God. Oh, Father, Lord, blessed be your name. God, because he's already here. When we call upon his name, he answered, and we are here to worship him, to celebrate him, because he's living. He is the living God. He's great. The God is great. Oh, hallelujah, Father Lord, we are here to worship you. Amen. So we bless the Lord. Shalom to everyone connected. Be blessed in the name of Jesus. So we are here on this Sunday, August 15, to celebrate the Lord and to give him the glory that he deserves. And we are in joy, because as we are entering the Lord of the house of the Lord, and as the word of God said, he said, oh, those that are elected, those are like the saint nation. Enter the presence of the Lord to proclaim his grace, to proclaim his name, to proclaim his greatness. All right, so we clap our hands for the word of God, and we are entering in joy and to celebrate, because we know who and what this God has done for me. We know like what is our identity now, and this God is everything that we have too, as we are praising him. So we're not looking for no man's love, but for no man's mercy, but we're looking for the Lord's mercy upon our lives as we are entering the worship, as we're entering praising in joy, to celebrate this God that has done. He has done so much in our life. He made us a saint testimony, and then he made us a saint nation, so that we can praise him, so we can worship him through the blood of Jesus Christ. Through the blood of Jesus Christ, he has accomplished what no man could have done. So this moment is just to give him the glory. To celebrate this God that made you the people of God. So feel free to stay up and to worship this God. Feel free, I don't know where you are, in your room, in your car, wherever you are, just feel free to celebrate this God and stand up and worship and praise this Almighty. So we are blessing the Lord. Hallelujah. We give him the glory. He is the one that takes care of us. He is the one who made you free. And he said, oh, the old is over now. Everything is new. Everything is new in my kingdom. In his presence, we are renewed. In his presence, we are joyful. Glory to God. Thank you, Lord. Thank you.
là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Alléluia. Ne me cherchez plus là-bas. Mon frère, ma soeur, déclare-le que Dieu va faire encore dans le nom de Jésus.
Opérant des prodiges, Seigneur.
présence nous fait du bien. Ta présence nous remplit. Ta présence, elle est là, elle est là, elle est là, Jésus. Puis ta présence nous rassure. Ta présence nous fait du bien. Je suis là pour adorer Jésus. Je suis là pour adorer mon Dieu. Je suis là pour adorer mon berger, celui qui pourvoit tous mes besoins. Mon âme bénit le Seigneur Jésus. Oh Seigneur, ta présence nous fait du bien, papa. Oui Seigneur, et de ta présence nous voulons encore. Nous voulons plus de ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons déclarer que ta présence en nous devienne réelle, Jésus. Que cette présence devienne palpable en nous, papa. Alléluia. Que cette présence, Seigneur, soit palpable en ce lieu, papa Yahweh. Merci, Seigneur. Nous voulons une autre dimension de toi. Merci. Nous voulons une autre dimension de ton esprit. Nous désirons une autre dimension, Seigneur, de ta puissance. Amen. Nous désirons une autre dimension, Seigneur, de ton onction. Nous désirons une autre dimension, Seigneur, mon Dieu. Cette dimension qui nous amène dans les lieux très hauts. Cette dimension qui nous transporte dans les lieux très saints. Cette dimension qui nous transporte dans les lieux élevés. Oh Jésus. Justice devient justice. Dans la présence de Dieu, tout ce qui est mort reprend vie.
Dans la présence de Dieu, nous n'avons pas besoin de demander. Alléluia. Dans la présence de Dieu, ce qui ne va pas dans ta vie se redresse. Alléluia. Dans la présence de Dieu, ce qui est cassé est remis en morceaux, comme si ça n'avait jamais été brisé. Dans la présence de Dieu, un cœur qui a été déchiré, une vie qui a été broyée est restaurée par la puissance du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que dans sa présence, il n'y a que la vie qui domine, il n'y a que la vie qui règne. C'est pour cela que nous voulons, que nous désirons, que nous appelons sa présence au milieu de nous maintenant. Demande au Seigneur de te recouvrir de sa présence. La parole de Dieu nous montre que lorsque Adam a péché, il s'est retrouvé nu, alléluia. Parce que lorsqu'il y a eu péché, mon frère, ma soeur, la présence de Dieu s'est retirée d'Adam, alléluia. Adam allait se cacher parce qu'il y a eu péché. Adam allait se cacher parce qu'il s'est retrouvé nu. Et le Seigneur me fait comprendre que sa présence est une couverture pour nous, alléluia. Sa présence est une couverture pour toi et moi. Sa présence est un manteau. Et tant que Adam était dans la présence de Dieu, il n'avait pas à demander quoi que ce soit au Seigneur. Le Seigneur répondait à ses besoins, alléluia. Lorsque Adam était dans la présence de Dieu permanente, il n'avait rien à demander à son père. La présence de Dieu le comblait. Mais lorsqu'il y a eu péché, il a été retiré de la présence de Dieu. Il s'est retrouvé nu et il s'est caché loin de la présence du Seigneur. Et ce que nous désirons, c'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Le Seigneur Jésus est venu mourir à la croix pour nous ramener dans la présence du Seigneur, pour nous recouvrir du manteau de gloire, pour nous recouvrir de l'être nouveau, pour te recouvrir de l'homme nouveau, pour te dire ces choses anciennes sont passées. Voici aujourd'hui, toutes choses sont devenues nouvelles et tu appartiens maintenant au Seigneur. Tu es revenu à ton Père et la présence de Dieu te recouvre à nouveau. La présence de Dieu revient sur toi et dans sa présence, le Seigneur répond à tes besoins. Dans sa présence, le Seigneur répond à tes besoins. Dans sa présence, le Seigneur répond à tes besoins. C'est pour cela que nous allons demander la présence de Dieu de venir nous recouvrir. Que ta présence, que ta présence.
pouvais pas marcher. Le Seigneur redresse tes pieds. Toi qui n'enfantes pas, l'Esprit de Dieu te touche maintenant. Toi qui n'as plus d'espoir, le Seigneur te restaure maintenant. Le Seigneur te restaure maintenant. Le Seigneur te restaure maintenant. Par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. To be in the Lord's presence. It is glorious to dwell in His presence. So you have to look for this cover. You have to look for His hands upon you. His cover